Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle ensemble de tutorage. Alors que ce soit pour les courges, les tomates, les petits pois ou bien encore les haricots à rames, on a toujours besoin de support pour faire monter vos légumes à la verticale. Alors on va essayer de faire un grand comparatif des solutions qui existent sur le marché. J'en ai plusieurs exemples, on fera les plus et les moins de chacune, mais moi ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout des solutions que j'utilise ici, dans le potager des Paysans de Jardin, à savoir principalement du grillage que je monte avec des poteaux pour faire monter mes courges et mes courgettes, et également je fais également des portiques grillagés pour faire monter également tous les légumes à la verticale. Je les trouve esthétiques et surtout très pratiques, durables dans le temps, et je vous montre tout ceci en vidéo. Alors, on va démarrer avec donc les trois solutions que j'utilise ici pour tutorer donc tous les légumes grimpants. Donc, on va démarrer cette première solution qui consiste en fait à utiliser un grillage, d'accord, que je viens fixer sur des poteaux. J'en mets un à chaque extrémité, un au milieu, et ensuite je finis par un fer à béton ici de diamètre 6 mm. Vous pouvez mettre aussi un fil de fer et que je fixe et que je viens, on va dire, verrouiller à l'aide de petits pitons que je viens visser sur la tête du piquet. Donc c'est un piquet de 6 mm, 6 cm ou 8 cm, ça dépend. Je vous montre tout ceci en image. J'ai fait ça il y a 3 semaines au moment de repiquer les courges et ainsi que mes tomates. Ouais, voilà.
Alors, on vient de voir la solution numéro 1 où j'utilise des piquets en bois qui font 6 ou 8 cm de diamètre. J'en mets un à chaque extrémité de mon jardin qui fait 4,80 m de long et plus un au milieu. Et ensuite, j'insère mon grillage avec ce qu'on a vu également, des pitons, un petit fer au-dessus. Et là, tout ça, ça ne bouge pas. Ça reste jusqu'à fin octobre, jusqu'à ce que j'arrache les tomates ou bien même les courges. Voilà. Solution numéro 2, donc principe à peu près identique, on va dire, avec l'utilisation de 3 piquets, mais cette fois, ce ne sont pas des piquets en bois, ce sont des piquets en acier, donc un acier traité, hein, qui s'est galvanisé ou électrozingué. Donc c'est un tube qui fait faire 15 ou 20 mm de diamètre, ça c'est du 15, donc c'est un tube hydraulique, donc c'est très très costaud. Hein. Par contre, je ne vais pas l'enfoncer cette fois, ce tube, ce piquet donc, dans la terre, je vais le fixer, de venir l'insérer dans un support que j'ai développé, qui est conçu, donc vous trouverez ça sur mon site internet. Et en fait, ce support, je viens le visser sur le cadre en bois de mon carré potager. D'accord ? Donc il y a 3 vis ici, je mets 3 vis, donc je fixe solidement le support sur le cadre, je mets ça de chaque côté, et ensuite il me reste juste à glisser le tube dans le support. Donc j'utilise un tube de 1,20 m de hauteur, ensuite au milieu, j'ai le choix, je peux par exemple mettre un fil de fer pour former un petit tipi avec un voile de forçage. Là, j'ai des poivrons dessous et c'est vraiment l'idéal quand il fait un peu chaud, ça accélère la pousse. Ou sinon, je peux également utiliser un filet et là, je vais faire monter principalement des petits pois ou des haricots à rame, comme c'est ici. Là, j'ai mis des petits pois, j'ai des manchetous également. Voilà, donc c'est la solution numéro 2 que j'utilise et je vous montre tout ceci en image. À la troisième et dernière solution technique que j'utilise pour tutorer tout ce qui est courge, tomate, petit pois à rame et haricots à rame, hein, toute plante grimpante on va dire, hein, du potager. Donc il s'agit des portiques. Donc là nous on en propose deux types, donc soit le portique intégrable, le double, donc ça veut dire qu'il va monter des deux côtés de votre potager et également au niveau du toit, du plafond, hein, d'accord, ou le portique le simple qui est au second plan là-bas. Alors le principe de ces portiques, c'est simple, c'est donc un cadre en bois. Alors si vous n'êtes pas bricoleur, ben, rendez-vous sur notre site internet paysandejardin.fr et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Si vous êtes bricoleur, il faut utiliser du bois de 70 par 45 traité, d'accord. Ensuite vous utilisez du grillage de 1 mètre de large, donc le même qu'on a utilisé tout à l'heure pour tutorer les tomates, hein, d'accord, dans la solution numéro 1. Et puis ensuite ben, un peu d'huile de coude, on va dire, ensuite des pitons ouverts, du fil de fer, et ensuite vous, ben, vous faites le toit, vous faites courir le grillage en position verticale et en position plafond, et puis le tour est à peu près joué, voilà, il n'y a rien de compliqué, et puis ben, il faut de la bonne vis en inox, bon, c'est un petit coup, hein, c'est sûr, tout cumulé, surtout avec le coût des matériaux actuellement. Mais cette solution-là, une fois que vous l'avez fabriquée, donc n'oubliez pas également les jambes de force pour mettre en bas. Voilà, parce qu'il va y avoir du poids et avec le vent, ça peut vraiment balloter très fort. Hein. Donc une fois que vous aurez mis tout ça bout à bout, ben, vous en aurez pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, voire centaines, mais c'est durable. Je pense que là, vous êtes bon pour 5 à 10 ans, quoi, tranquille. Voilà, donc c'est des solutions fiables, durables et très esthétiques. Donc elles remplissent tous les critères que moi, je me fixe au potager des paysans de jardin.
Donc l'avantage des solutions qu'on vient de voir, 1, 2, 3, donc je dirais que c'est une solution déjà durable. Vous comprenez, hein, une fois que vous êtes parti sur du grillage, des sections de bois importantes, eh bien on est parti sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, voire un peu plus. Même hein, le grillage, c'est inusable, hein, il est plastifié. Je dirais que ouais, 5, 8, 10 ans, sans problème. Hein, si vous faites attention à votre matériel, voilà, vous êtes parti pour de nombreuses années. Ensuite, le deuxième avantage, deuxième point, et ça vous l'avez vu, hein, c'est l'aspect robustesse. Hein. Là, il peut venter, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du poids, les courges, c'est très lourd les courges. Hein. Si vous avez un tuteurage qui est un peu faiblard, vous allez les retrouver au sol, même les haricots hein, déjà, c'est arrivé. Hein. Les haricots, ça prend énormément le vent, si vous avez une grosse rafale de vent, ça peut vous coucher votre tuteur. Hein. Voilà. Troisième avantage, c'est la rapidité de mise en œuvre. Vous avez vu sur la solution numéro 1, le grillage, on arrive à 2. On pose le grillage, on l'enfile dans les poteaux. On met la barre, le petit rond d'acier dans les trois pitons, deux bouts de ferraille et c'est fini. Quoi. Donc ça prend même pas 10 minutes. Hein. Et là, vous pouvez mettre 8 tomates, hein, puisque ça fait 5 mètres de long. Essayez de planter 8 piquets de bois en 10 minutes, c'est pas sûr que vous l'atteigniez. Hein. Donc très très rapide, mise en œuvre très rapide, montage et démontage. Donc ensuite, les moins, eh ben, il faut être un peu bricoleur quand même, hein, parce que vous allez utiliser une masse, hein, vous avez vu, pour enfoncer les piquets. Il va falloir utiliser une scie, une pince pour couper le grillage. Bon, la première fois, donc ça, la mise en œuvre, elle n'est pas si simple que ça quand même, hein, puis un petit peu d'huile de coude, hein, voilà. Et également, il faudra compter un petit budget. Donc pour le grillage, la solution numéro 1, grillage, 3 poteaux en bois, les 3 pitons, la ferraille, compter un budget d'un peu moins de 30 euros, 27 euros également. Donc c'est pas neutre, hein, surtout dans cette période. Donc c'est aussi à prendre en compte dans le comparatif. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle également des solutions qui existent sur le marché, ou même en récup, hein, solution tout court. Hein. Donc la première solution que je voulais vous parler, c'était le bambou. Alors voilà, moi j'ai acheté ça ce matin, moi c'était vraiment pour le besoin de la vidéo, parce que j'avais acheté ça pour tutorer mes tomates. Mais bon, voilà, ça existe, ça vaut dans les 1,50€ ou 2€. Alors le mieux c'est quand même d'aller le faire toi-même. Hein. Du bambou, il y en a partout. Moi je me souviens que quand on était jeune avec mon père, on allait couper le bambou, hein, des gros bambous, des hauteurs pas possibles, et ça faisait tout à fait la chose. Hein. Donc le bambou, j'ai essayé de faire une colonne plus, une colonne moins. Donc le plus, c'est gratuit, hein, bien souvent. Bon, là, je l'ai acheté, mais la plupart du temps, vous l'avez gratuitement. Il suffit de connaître quelqu'un qui a du bambou. Et croyez-moi, il va vous ouvrir ses portes, puisque c'est quelque chose de très envahissant. Donc c'est costaud, c'est relativement costaud, hein, flexible, costaud. L'avantage, c'est qu'on peut avoir la longueur qu'on veut. Hein, il existe des cadres de bambou qui font 3, 4, 5 mètres de haut. Hein, donc pour faire monter les haricots, c'est vraiment l'idéal. Et c'est un produit naturel, voilà. Ensuite, dans les moins, c'est un peu difficile des fois à enfoncer parce que ça peut fendre. Donc là, une petite astuce, vous mettez à ce moment-là une petite, boîte de conserve en ferraille et puis dedans une petite, ce qu'on appelle une chambre à air de vélo. Vous mettez la chambre à air de vélo, vous mettez la boîte de conserve et là, vous pouvez taper, ça évite que le bambou se fende. Et puis également, si vous allez couper le bambou, il faut le faire soi-même, donc il faut un peu d'huile de coude. Les chaînes de tronçonneuses n'apprécient pas trop cette matière parce que des fois ça a tendance un petit peu à dérailler. Enfin, voilà, bon, il y a un petit peu de sueur à prévoir. Première solution. Alors, deuxième solution, c'est le piquet bois. Alors, c'est le piquet bois, ça c'est vraiment le plus standard. Donc, il en existe des ronds, des carrés. Donc là, j'en ai trouvé un d'1,50 m de haut. Donc les avantages de cette solution, c'est une solution qui est rigide, hein, c'est assez facile à enfoncer, hein, donc un bon marteau ou une petite massette, hein, et puis ça va faire la chose. Hein. Après dans les moins, je trouve que ça quand même ça vieillit pas très très bien, au bout de 2-3 ans ça va tendance à pourrir, hein, ça c'est sûr, et la pose et dépose se fait chaque année, donc on pose au printemps, on dépose à l'automne. Bon, si on a 5 ou 10 pieds de tomates, ça peut aller. Si vous en avez 50 ou 60, ça peut vite prendre un peu de temps. Et puis surtout, quand je vous le disais tout à l'heure, quand vous allez les défaire, ça a tendance à pourrir. Et bon, donc il va falloir renouveler assez régulièrement ces piquets bois. Mais ça reste quand même une solution assez répandue et qui n'est pas trop mal. Ensuite. Troisième solution, la queue de cochon. Alors ça, je l'ai acheté pour le besoin de la vidéo parce que franchement,
je vois pas ça trop dans mon potager. Avec les cailloux que j'ai, je vois pas trop comment je pourrais enfoncer ça. Bon, après, dans une petite terre légère, ça peut faire le travail. Donc, dans les plus de cette solution, bah, je dirais que c'est une solution durable. C'est un métal galvanisé. Donc, ça, vous allez le garder très très longtemps. Ça, pour le coup, ça c'est vrai. Après, ben, dans les moins, j'ai listé ben, la difficulté à enfoncer. C'est sûr que moi je vois pas trop comment je pourrais faire enfoncer dans mes cailloux là. Non, c'est pas adapté du tout. Voilà, et c'est pas super stable. Hein. Je l'ai vu des fois des vidéos où on met des ficelles entre les différents piquets parce que ça a tendance à se casser un peu la figure. Donc, ouais, pas super stable. Donc, bon, je voulais vous en parler, on en voit partout, mais moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je retiendrai. Pour attacher mes tomates. Alors, quatrième solution qui existe en supermarché ou à faire soi-même, mais celle-là, il faut l'acheter, hein, c'est le piquet plastique. Donc, piquet plastique, alors l'avantage de ça, c'est que bah, c'est très léger. Hein. Donc ça, si vous habitez en appartement, si vous avez un tout petit potager, genre balcon ou terrasse, ça c'est l'idéal, ça va s'enfoncer facilement. Donc ça pourrit pas. Donc dans les avantages, c'est léger, ça pourrit pas, et c'est idéal pour les pots, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est utilisé beaucoup pour les plantes hein, en intérieur. Bon, l'inconvénient pour des tomates, ça va être difficile à enfoncer. Bon, là, c'est pareil. Hein, dans ma terre, faut oublier, hein, ça ne marcherait pas. Et pour moi, c'est trop flexible. Quoi. Vous allez mettre un coup de marteau, ça va se casser en deux. Hein. Donc, bon, voilà. Ça existe. Ça peut rendre service dans certains cas. Si vous avez peu de tomates et si vous jardinez en pot, dans mon cas, avec 24 pieds de tomates, je ne vois pas trop l'utilité. Ensuite, dernière solution, c'est la cinquième, il s'agit du piquet en fer. Alors, soit en aluminium, mais le plus répandu, c'est celui en fer à béton. Donc souvent, on récupère ça à droite, à gauche, chez les maçons, des choses comme ça. Vous pouvez l'acheter également, donc c'est un fer qui est beaucoup plus fin que ça doit faire 6 ou 8 mm de diamètre ou 10. Hein. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc la solution est pas chère. Elle est durable, puisque c'est en métal. Hein. Bon là, c'est de l'aluminium, hein, c'est pas ça, mais ça ressemble un peu à ça, mais en plus petit. Hein. Également, c'est une solution qui est solide. Voilà. Le désavantage du fer à béton, c'est que bah, c'est une solution qui est lourde à porter. Hein. Si vous avez 30, 40 ou 50 piquets, ça peut vite peser. Hein. Il faut l'enfoncer, comme c'est un petit diamètre, il faut l'enfoncer quand même assez profond. Hein. Donc, il faut l'enfoncer facilement de 40 cm pour vraiment que ça ne bouge plus sous le poids des tomates. Hein. Voilà. Donc, toutes les solutions qu'on vient de voir ici, donc, à part le fer à béton, parce que ça, c'est de la récup, voire même le bambou, mais le bambou vous pouvez aussi l'acheter, mais tout ce qu'on vient de voir là, la queue de cochon, le piquet bois, le piquet plastique, ça vaut tous entre 2 et 5 euros, donc vous voyez, ça a quand même un coût aussi. Hein. Et la solution paysan de jardin, la solution numéro 1, qui fait 5 mètres de long, donc le grillage, les trois piquets, les trois pitons, etc., enfin la solution complète, vous en avez pour 27 euros, d'accord. Donc ça veut dire que ça fait à peu près 3 euros sur 8 tomates, ça fait à peu près 3,50 euros par pied de tomate. Et finalement, ben là, on est à peu près équivalent. Sauf que moi, ma solution, elle est très durable. Dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, elle sera encore là. Là, sur les piquets en bois ou voire même en bambou, je doute que ça dure autant de temps. Voilà. Après, voilà, il faut avoir conscience de ça et puis ben, choisir la solution qui vous convient le mieux. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Donc, si j'ai oublié des solutions de tutorage, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a certainement d'autres solutions. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai oublié une, c'est la ficelle aussi. Hein. Je l'ai déjà utilisée. Ça peut être une solution aussi qui est intéressante. Mais il y en a peut-être encore d'autres. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. À activer la petite cloche également. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram notamment, où on délivre les vieux dictons, vous savez, les dictons de nos grands-pères. Des dictons de jardiniers avec la météo, etc. Donc ça, c'est les lundis sur Instagram et Facebook. Le mercredi, on fait une recette de cuisine avec les légumes du potager. Et puis après, on parle aussi de nos activités, puisque nous sommes concepteurs et fabricants de carrés potagers, clés en main, avec arrosage. Vous trouvez toutes ces informations sur le site internet, de toute façon. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin.